60% des couples qui divorcent à cause de la pornographie. C'est énorme. Enfin bref, j'ai été victime de la sphère pornographique et j'en suis pas sorti indemne. J'ai besoin de me faire remettre en place. J'ai pleuré, j'ai crié, mais j'ai été libéré. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si t'es lié par la pornographie, tu peux être libéré. Si t'es lié par une sexualité qui est complètement corrompue, tu peux être libéré. Et je sais qu'il n'y a pas de plus grande puissance que la prière. Et si tu veux être libéré de cette emprise que la pornographie a sur toi, encore une fois, il faut reconnaître que ce n'est pas quelque chose de sain. Il faut reconnaître que ce n'est pas quelque chose qui est bon pour ta vie. Parce que tu ne peux pas te délier d'une chose qui est ton ami, tu vois. Tu ne vas pas te délier de ton ami, tu ne vas pas te délier de quelque chose que tu veux encore. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu ne le veuilles plus, et là, il peut avoir une action. Mais tant qu'il y a une partie de toi qui dit « Ah non, mais je le veux toujours », non, c'est pas possible. Soit tu fais le choix en disant « Non, j'en veux plus », et là, il y a le travail de Dieu qui peut commencer. Ou soit tu dis « Je sais pas, eh ben, attends un petit peu, et quand tu seras prêt, tu feras la démarche ». Bah juste ferme tes yeux et je vais prier. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce. Tu as créé le sexe pour donner la vie. Dans tes yeux, le sexe est quelque chose de sain. Le sexe est même une chose pour laquelle on peut te louer. On peut t'adorer. Bah maintenant, tu peux juste me suivre dans ma prière. Répéter après moi si tu veux. Voilà, Jésus, je te demande pardon pour ce que j'ai fait avec mon sexe. Je te demande pardon pour toute la pornographie que j'ai regardée. Je te demande pardon pour les prostituées que je suis allé voir. Je te demande pardon pour ne pas m'avoir respecté. Ne pas avoir respecté le corps que tu as créé. Je te demande pardon d'avoir blessé ton cœur. Et je te demande de l'aide. J'aimerais que tu sois Seigneur sur ma sexualité et sur ma vie. Je te donne ma sexualité pour que tu puisses en faire ce que toi tu as décidé. Merci de m'enseigner et merci de me restaurer. Tu as tout pouvoir sur moi. Amen. Voilà, et puis ben n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis open. Ciao.